Bonjour les amis, comment vous allez? Moi, c'est Nasser Adamien, instituteur en classe du CM2. Alors ce soir, je suis avec vous pour réviser la leçon de grammaire sur l'accord du verbe avec son sujet, sujet commun, sujet partiel et sujet inversé. Alors cette leçon qui a déjà été faite, nous allons repasser sur ça pour voir si vous avez encore des idées, malgré le temps que vous faites à la maison. Ça peut aller? D'accord, merci. Alors, suivons attentivement. Le test est transcrit au tableau. Vous lisez. Tout à l'heure, il y aura des questions qui seront posées et auxquelles vous allez répondre. Lisez attentivement. Lisez, oui. Lisez. Faites un effort. Là, la seconde partie du test est de l'autre côté. Il faut bien voir ça. Ça peut aller? Oui, allez-y. C'est bon? Alors, quelqu'un pour nous lire le test. Qui veut? Oui, toi. Alors, suivons-le. Test. La ruse des singes. Finayo, Kemoko et Oru surveillent le champ de maïs. À l'orée du champ, des singes quêtent le moment propice pour envahir la plantation. Le plus vieux singe surveille les enfants et avance lentement. Vois-tu les singes? Demande Kemoko à Finayo. Ah oui, je les vois. Ils nous surveillent. Vous avez suivi vos camarades? Il a bien lu? Ah, c'est bien. Alors, suivez au tableau. Nous allons commencer par répondre aux questions qui seront posées tout à l'heure. Suivez. Première question. Lisez la première phrase. Attentivement. La première phrase. Finayo, Kemoko et Oru surveillent les champs de maïs. C'est lui? Quel est le verbe de cette phrase-là? Qui répond? Oui, le verbe de cette phrase est surveille. C'est ça? Ah oui, c'est bien, un banc pour lui. Ou bien, quelqu'un d'autre a choisi à dire? Ah, c'est ça, d'accord, on y va. Donc, le verbe c'est surveille. Quel est son sujet? Qui surveille? Oui, toi. C'est Finayo et Kemoko. C'est vrai? C'est fini? Et Oru. Ah, d'accord. Trois personnes. Donc, Finayo, Kemoko et Oru. Trois personnes qui surveillent donc le champ de maïs. Alors, suivez. On va mettre les trois sujets là, dans la colonne des sujets ici. Vous suivez? Finayo. Kemoko et Oru. Ils font quoi, vous avez dit? Oui, ils suivaient le chat. Alors, on met le verbe dans sa colonne. Surveille. Regardez bien. Surveille. Alors, si nous regardons bien le sujet, il est formé de combien de parties? Oui, deux. C'est vrai, vous êtes deux? De trois parties. Lesquelles? Finayo, ensuite Kemoko et enfin Oru. Donc, c'est un sujet qui est composé de trois parties. Alors, on va vers le verbe. Surveille. Comment se termine-t-il? Oui, il se termine par ENT. Alors, le verbe s'accorde en genre et en nombre et en personne, bien sûr, avec son sujet. C'est pourquoi il a pris ENT. D'accord? Ah. Maintenant, regardez. Si je dois prendre chaque partie du sujet, Finayo,
Qu'est-ce qui constitue pour le verbe? Oh, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Oui, vas-y. Sujet. Sujet quoi? Partiel. C'est vrai? Ah, et pas pour lui. Donc, final seul est sujet partiel de surveille. Kamoko seul aussi est sujet partiel de surveille. Oro également, sujet partiel de surveille. Mais à ce moment, surveille, hein, prends tout simplement E. C'est ça, non? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la partie observation ici? Oui, vas-y. On peut dire que lorsque un verbe a plusieurs sujets, chaque partie du sujet représente donc le sujet partiel. C'est bon, et bon pour lui. Donc, partie observation, on va mettre sujet partiel égale un verbe ou plusieurs sujets. Sujet partiel. Répète-toi. Deuxième autre, sujet partiel, ça fait un verbe. Deuxième autre, un verbe pour plusieurs sujets. D'accord. C'est bien. On revient. Allons vers la phrase numéro 3. Qui va nous lire ça? Oui, vas-y. Le plus vieux singe surveille les enfants et avance lentement. C'est bien. Alors, regardez bien cette phrase-là. Où est le sujet? Oui? Le sujet, c'est le plus vieux singe. Le sujet ici, c'est le plus vieux singe. Le plus vieux singe. C'est quoi le singe? Un seul. Ah, d'accord. Alors, le plus vieux singe, qu'est-ce qu'il fait? Combien d'actions mène-t-il? Oui, toi, vas-y. Il mène combien d'actions? Une. C'est vrai que c'est une? Oui, quelqu'un d'autre? Deux. Lesquels? Surveille d'abord les enfants et puis avance. Donc, il surveille, puis il avance. Surveille, puis avance. Ce seul sujet fait deux actions. Alors, on va mettre les deux actions là dans la colonne des verbes. En numéro 3, on met surveille, puis avance. Dans la partie sujet, on met le plus vieux singe. Le plus vieux singe. Alors, lorsque un seul sujet a plusieurs verbes, c'est-à-dire même plusieurs actions, qu'est-ce qu'on dit? Oui? On dit qu'on est en présence, oui, du sujet commun. Répète là-bas, un autre. Alors, on met à la partie observation, sujet commun égale un sujet, plusieurs verbes. Un sujet plus plusieurs verbes. Répète. Deuxième autre. Bon, on continue. On va vers la quatrième phrase. Qui va nous la lire? Oui, allez-y. Vois-tu les singes? Vois-tu les singes? Alors, comparez cette phrase-là à la troisième. Vous êtes que la troisième, là, le sujet est venu avant le verbe. Et ici, qu'est-ce que vous constatez? Oui, vas-y. Le verbe vient avant le sujet. Un bras pour lui. Alors, lorsque le verbe vient avant le sujet, comment on appelle ce sujet-là? Oui? Sujet. Ah, sujet éloigné. Non, ce n'est pas sujet éloigné. Oui, un autre. Sujet inversé. Un bras pour lui. Deuxième autre. Donc, observation, on l'a déjà, hein, sujet inversé. Alors, quatrième phrase, on met le sujet, c'est tu, le verbe, c'est voir. L'observation, soit répétée. Deuxième autre, l'observation, c'est lorsque le sujet
vient après le verbe et on dit on parle du sujet, on parle du sujet est versé. C'est bien. Alors les amis, on peut revenir sur ce qu'on a fait, non? Alors, qu'est-ce qu'on appelle sujet partiel? Oui, quelqu'un, vas-y. Le sujet partiel, c'est quand il y a un seul verbe pour plusieurs sujets. Merci. Qu'est-ce qu'on appelle sujet commun? Oui, vas-y. On parle du sujet commun lorsqu'il y a plusieurs verbes pour un seul sujet. C'est bon. Alors, lorsqu'on parle de sujet inversé, on parle de quoi? Oui, c'est quand le verbe est venu avant le sujet. Merci. Alors, on va venir vers le texte qui est là, rapidement, pour vérifier si ce qu'on a fait, vous avez pu garder. Ça peut aller. Alors, lisez rapidement le texte. Ce texte a déjà été vu une fois, hein? On a déjà fait ça une fois. Donc, vous pouvez venir rapidement. Alors, on dit, souligne d'un trait le sujet partiel, de deux, les sujets communs et en tout les sujets inversés du texte. Alors, qui répond à la première consigne? Il souligne d'un trait les sujets partiels. Oui, vas-y. Voilà, hein, pour souligner, tu viens. Des badauds et des voyageurs sortaient de la gare routière sous le regard des policiers. Alors, le premier, c'est quoi? Des badauds et des voyageurs. Sujet partiel. Badauds, c'est un sujet partiel. Voyageurs aussi, sujet partiel. Très bien. Sujet commun maintenant, de deux traits. Alors, on continue. Alors, des badauds et des voyageurs sortaient de la gare routière sous le regard des policiers qui les regardaient et les abordaient. Regardez bien. Qui les regardait et les abordait. Qui regardait et abordait discrètement. C'est qui? Lisez bien. Des badauds et des policiers de la gare routière sous le regard des policiers qui les regardaient et les abordaient. Qui les regardait et les abordait? Les policiers. C'est bien. Les policiers, ils jouent combien d'actions? Oui, vas-y. Deux. Regardaient et abordaient. Alors, on prend quoi? Les policiers, sujet commun. Merci. Et enfin, s'engager alors en discussion. Oui. Ah, le verbe vient avant le sujet. Quoi le sujet? Une discussion. Alors, viens souligner le sujet. Ah, c'est discussion. Alors, c'est quel genre de sujet? C'est un sujet inversé. C'est bon. Vraiment, les amis, vous êtes bons. Merci, je vous remercie infiniment. Et j'ai envie de continuer avec vous, mais le temps fait défaut. Je vous en prie. Et à tout moment.